C'est un grand honneur pour moi d'être devant vous. Comment ça va se passer? Je vais vous décrire les défunts qui sont venus me voir. N'hésitez pas à lever le doigt. Alors, même si on ne sait pas, même si peut-être, on lève le doigt, on continue, je fais ma lecture et puis on voit. Si ça ne va pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Comme je dis toujours, Jean-Michel, à peu près, ce n'est pas, c'est pas moi. Donc, essayez d'être réactif, ça c'est important. Si on se trompe, c'est pas grave, hein. C'est que c'est pas pour vous, mais voilà, essayez d'être réactif, et puis on va se laisser guider avec bienveillance dans cette lecture. Et bien on y va. on y va. C'est quoi ton prénom? Alors, l'une des premières âmes qui sont... Vous pouvez m'augmenter un petit peu le micro, c'est possible? Un tout petit peu. S'il vous plaît. En fait, c'est un duo de... Je m'entends pas, ça m'énerve. Allez. Voilà. Impeccable. Nickel, merci à Jean-Marc. Impeccable. C'est un duo, c'est un papa et un ex-compagnon qui est venu, et je suis persuadé en fait que c'est pour Claudie, parce que tout à l'heure quand tu es arrivé, j'avais ce côté ex-compagnon et papa qui était côte à côte, et je voulais savoir si déjà c'était correct ou pas. Est-ce que tu as pensé à eux aujourd'hui ou pas du tout? Tu t'es dit peut-être qu'il y a quelque chose comme ça ou pas du tout? Mon papa, oui. D'accord. Toujours, j'y pense. Un ex-compagnon, non, je n'ai pas du tout pensé. D'accord. Est-ce que je peux juste avoir Il y aurait pu avoir peut-être des conflits avec l'ex-compagnon et le papa? Ils ne se sont pas connus. Hein. Ils ne se sont pas connus. Non. Alors, pourquoi je te dis ça? Parce que le papa m'a gentiment dit « Tu vois, si j'avais été là, je n'aurais peut-être pas accepté ton compagnon. » Il me dit « Parce que tu sais que j'étais un papa un peu dur, mais que je t'aimais beaucoup. Tu sais que j'étais un papa rigide, mais un papa à l'ancienne, mais je t'aimais beaucoup. » Il me dit « Mais de l'autre côté, j'accepte ce que tu es, ce que tu deviens. L'amour pour les animaux que tu peux avoir. » L'amour pour plein de choses. Il me parle du mois de mars. Je ne sais pas si le mois de mars, c'est un mois important pour toi. Je suis née le 27 mars. Eh bien, c'est parfait. Mmh. Eh bien, c'est le signe de reconnaissance que je voulais. Il me dit, quel bonheur de te parler et quel bonheur de pouvoir avoir une empreinte de toi avec ton ex-compagnon, même si ce n'était peut-être pas une perle rare, ton ex-compagnon. Mais... Je pense que quand mon papa était raciste... Hein, l'ex-compagnon qui est décédé, il était égyptien. Et donc, ben, sûrement, il n'aurait pas aimé. Eh bien, voilà. Eh bien, voilà. Là, il me dit qu'il a fait la paix, qu'il a compris beaucoup de choses de l'autre côté, qu'ils sont ensemble, et que il accepte ton compagnon tel qu'il est et tel que tu es. Il me dit, continue à t'occuper des animaux, parce que de l'autre côté, c'est essentiel, et on voit tout ça. Il me dit... j'ai beaucoup d'amour et il me fait dire qu'il t'aime. Il te l'a jamais dit, sûrement. Il l'a jamais verbalisé. Je savais. Eh ben, il te le dit devant beaucoup de monde parce que c'était important. Il me parle aussi. Oh, c'est drôle. C'est marrant parce qu'il me dit, elle a loupé un rendez-vous pour venir aujourd'hui ou quelque chose comme ça. Non. T'as pas loupé, tu devais pas faire des courses ou des choses comme ça? Ah, j'ai tout fait pour venir. Hein. Ah ben oui. Il est arrivé à la dernière minute. Eh ben oui, je sais bien. Il m'a dit, tu vois, je suis très fier de ça et c'était la moindre des choses que tu sois là, que je sois là aujourd'hui. Il me dit, continue à être ce que tu es, continue à être. T'as une photo de ton papa chez toi? J'en ai une là. D'accord. Alors. C'est marrant parce qu'il me montre c'est très bizarre, il me dit qu'aujourd'hui il s'est mis un costume comme moi
et que c'était peut-être pas le roi du costume, ce monsieur. Non, c'était un mécanicien. Ben oui. Et il me dit, tu vois, aujourd'hui, je me suis mis un costume et je t'honore de ma présence aujourd'hui. Il t'offre un gros bouquet de lilas parce que tu sais que. Cultivé au jardin. Eh ben oui, parce que c'est important et que le lilas, c'est une fleur qui sent bon et qui est résistante. Quand tu verras le lilas, tu penseras à moi. Alors c'est, il faut attendre un petit peu, mais et puis il me fait comprendre aussi. Il y a quelque chose de particulier peut-être avec ta maison, des changements à venir ou... Oui, la maison que ma maman, quand elle est décédée, mon papa, j'ai des problèmes avec cette maison, les locataires et tout ça. D'accord. Alors, il me fait comprendre que si tu as besoin de la vendre pour t'alléger de tout ça, fais-le. On ne part pas dans l'au-delà avec une maison. On part juste avec les souvenirs et c'est plus important. Oui. D'accord. Voilà. C'est marrant. Il me parle de limonade. C'est quoi, la limonade? Je sais pas. Bon, et ben je te le note. Pareil, tu viendras récupérer mon petit gribouillage. Oui. Tu auras des indications. Et il me parle aussi du chiffre 14. Est-ce que ça peut parler pour toi, le 14? Non. Et ben c'est pas grave, c'est noté. Oui. D'accord. Et c'est tout. Et c'est merci tout. Beaucoup. Ben, merci à toi. Merci. Et c'est tout ce que j'ai. C'est touchant. Merci. Ben, merci à toi. Je vais me mettre mieux le micro là parce que voilà. Voilà. Allez, je vais continuer. Alors, j'ai un monsieur qui est venu me voir un peu à la dernière minute. C'est très bizarre. C'est un monsieur qu'on aurait retrouvé désincarné dans un proche d'un canal ou quelque chose comme ça. Oui. Votre frère ? Votre beau-frère. Très bien. Ça parle à personne d'autre ? C'est parfait. Ça m'arrange. Comment s'appelait-il ? Hans. 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 Ok. La première chose qu'il m'a montré, il m'a dit que c'était essentiel d'être là. Et il s'est vraiment imposé à moi, mais vraiment au dernier moment. Comme si ce monsieur, de son vivant... il arrivait un peu quand on s'y attendait pas, un peu comme ça, tac, et c'était comme ça. Il est venu un peu comme ça, un peu à la dernière minute, et il me dit c'était quand même essentiel de venir te parler. Il me dit c'est tout lui, c'est ça ? Oui, c'est génial. Il me dit quel bonheur de parler avec toi, quel bonheur enfin de te parler. Il me dit je sais, c'est pas moi que t'attendais, mais bon, on fait ce qu'on peut. C'est moi aujourd'hui qui suis là et j'ai beaucoup d'amour à te donner et j'ai surtout, prends conscience que je suis ton guide familial. Donc quand tu as des épreuves, tu lui demandes, d'accord ? J'ai le mois d'avril qui vient avec ce monsieur, je ne sais pas si ça correspond pour toi, c'est pas grave si ça ne parle pas, c'est noté, tu récupéreras le gribouillage. Il me dit aussi... Alors, si je comprends bien, ce monsieur, c'était ton beau-frère. C'est mon beau-frère, donc... c'est le mari d'une de mes sœurs. D'accord, impeccable. Il était plus âgé que moi, enfin, moi j'étais la plus jeune de la famille. Alors, ne m'en dites pas trop. Il me parle aussi de bons moments de sortie, comme si vous alliez faire des balades avec ta sœur, peut-être dans des fêtes foraines ou des choses comme ça, ou parce que j'ai ce côté amusement avec... et sortie de famille, alors... moi, il m'envoie la fête foraine, je ne sais pas pourquoi, mais c'est des promenades avec ce monsieur, et c'est les bons moments, il me dit. Il me dit que c'était les bons moments. Rappelle-toi de moi pour les bons moments et pour les moments comme ça. Il ne me parle pas trop de comment... je ne sais pas comment expliquer la chose. Il ne me montre pas trop du pourquoi on l'a retrouvé dans ce canal, et proche du canal, il me dit... il me donne pas de réponse, mais c'est comme si son corps avait été retrouvé quelques jours, voire peut-être c'est quelques ça. Semaines plus tard. C'est en fait, il me dit, ça. Il me dit, de toute façon, j'aurais. Il était disputé avec ta sœur ce jour-là ou quelque chose. D'accord.
C'est très bizarre parce que c'est il me montre comme s'il se promenait tout seul, en fait, à ce moment-là, près du... Disons qu'il avait Parkinson, donc... Ouais, d'accord. Alors ça, il n'aurait pas fallu me le dire. Ça aurait été un... Non, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Il ne vous en veut pas. Il me reparle du mois d'avril, hein. C'est fou, et du chiffre 14, je aussi. C'est pas bien grave, mais s'il me le donne, c'est qu'il y a quelque chose d'important. Il y a un événement important qui arrive, un mariage, un anniversaire. Il y a eu un anniversaire, d'accord. On s'est tous retrouvés chez cet été. D'accord, parce qu'il me fait comprendre que vous aviez une pensée pour ce monsieur. Oui, parce qu'il était là et il a entendu tout ça, d'accord. Et ça lui fait chaud au cœur parce qu'en fait, il m'engueule, il me dit « mais j'ai plus de cœur de l'autre côté, raconte, dis les choses juste ». Il me dit « ça le réconforte parce que il me dit « la chose la plus terrible de l'autre côté, c'est l'oubli, l'oubli qu'on peut avoir ». Et il est très fier qu'on ne l'oublie pas, il me dit. Il me dit, il me fait comprendre, il y aurait pu avoir peut-être un suivi médical ou un pourparler pour un suivi médical. Peut-être pas enfermé ou aller en hôpital spécialisé. Oui. Il me dit, ça m'aurait peut-être sauvé la vie, mais ne vous en voulez de rien. Parce qu'il aurait été encadré, il me dit. C'est que s'il avait intégré cet hôpital peut-être avant, et rester dans cet hôpital, ça l'aurait peut-être aidé à avoir une fin de vie classique. Mais c'est pas grave. C'est pas. Il faut pas vous en vouloir de ça. C'est juste un détail. Par ces mots, en fait, il me fait comprendre. J'aurais peut-être dû écouter ta sœur. Peut-être. Eh ben oui. Eh ben sûrement. Mais il me dit ainsi va la vie. Il t'offre aussi. Il m'énerve ce micro. Voilà. Mais il descend. Voilà. En fait, par ces mots, il veut te faire comprendre que tu es son guide familial. Alors, je ne sais pas, il devait avoir une affection particulière pour toi. Moi, quand je reçois les informations, c'est presque comme si tu étais sa chouchoute. Oui, et il me rappelle, c'est marrant, vous écoutiez de la musique, il t'avait offert de la musique. Des disques ou des choses comme ça. Des cassettes peut-être. Oui, peut-être. Ouais, eh ben oui. Parce qu'il me dit, rappelle-toi de ces moments-là avec moi et rien d'autre. Parce que c'est comme ça qu'on se rappelle des choses de l'autre côté. Il me dit, je te laisse, mais tu sais que je ne suis pas très loin. Je te laisse, mais tu sais que... Il me dit, je t'aime et j'aime énormément ta sœur. Je te laisse et prends conscience que je suis ton guide. J'ai le mois de mai aussi qui vient. Ça peut. Oui, c'est l'anniversaire de ma sœur. Eh ben voilà. Donc il embrasse sa sœur. Ça me va. Ouais. Ça me va très très bien. Il s'en va un peu comme il est venu un peu s'imposer et il me dit, il me remercie, il me dit merci Aaron d'avoir su m'écouter, d'avoir pris un peu ce message au dernier moment. Il me dit. Tu as des enfants, toi ? Oui. D'accord. Vous mangez beaucoup de pizza ? Pas plus que ça. Pas plus que ça. Oui. Je ne sais pas pourquoi il m'envoie des pizzas. Alors, je ne sais pas, peut-être. Il faudra demander à ta sœur si à l'époque, il y a quelque chose de particulier avec la pizza. Tu demanderas. Oui. Hein ? Oui. Tu sais, moi, j'ai l'habitude de tout donner, tout ce qui passe, je le transmets. Je ne sais pas, il y a quelque chose de... mange mieux ou mange plus équilibré ou mange moins de pizza, est-ce que ça peut parler peut-être ? Oui, tout à fait, ah bon. C'est fait. Ah. C'est fait. C'est fait. Bon, d'accord. Eh bien, prends-le donc. On est dans le juste. Et c'est tout. Et c'est Merci. Tout pour vous. Merci. Et c'est tout. Merci à lui. Allez, on va continuer. Ok, je vais passer à quelque chose d'un peu compliqué. Alors,
J'ai une dame qui est venue me voir et qui aurait pu... quand je dis qui aurait pu, c'est que je suis un peu persuadé de tout ça. Subir des violences de son mari. Et ces violences... Alors, elle ne m'a pas montré si ça, c'était la conséquence de son décès. Mais j'ai une dame qui s'est désincarnée et qui aurait pu subir des violences d'un conjoint un peu violent. Est-ce que ça peut parler à quelqu'un ? Ouais. Ah. Alors. D'accord. Nous, on ne l'a pas connu. Mais c'est des choses qui se sont dites dans la famille. D'accord. Donc votre maman, est-ce que votre maman s'est désincarnée du fait de... Non, c'est sa maman. Donc ma grand-mère, enfin notre grand-mère. Votre grand-mère, d'accord. C'était notre grand-père en fait. Mais c'est des choses qu'on nous a... Parce que nous, on ne les a pas connues. D'accord. Alors, je vais vous laisser de côté parce que j'ai une autre dame et puis je vais voir... C'était qui pour vous ? Votre maman. Je pense que c'est... Ouais. Comme je dis, Jean-Michel, à peu près, j'aime... Voilà. Je suis désolé, hein. Bon. Votre maman, elle... c'est dû à ses coups qu'elle s'est désincarnée, cette dame ? Non. Elle est partie, en fait. Elle est tombée dans Alzheimer. Bon. C'est la conséquence quand même. D'accord, ok. Parce que c'était ça en fait. La conséquence d'un mari violent qui a entraîné la mort directement ou indirectement. D'accord. Comment s'appelait votre maman ? Morissette. Morissette. Ok. J'avais un prénom avec la lettre J. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça peut vous parler ? Alors, je le nom de famille peut-être ? Non, bon, alors rien à voir. Je ne sais pas. J'ai cette lettre J qui apparaît comme Joanne ou Johanna. Je vous l'ai noté, là. Vous viendrez récupérer votre gribouillage. Votre maman, elle me dit... elle vous remercie, en fait, que vous soyez là. Elle vous remercie, elle me dit... c'est la première fois que vous avez un contact avec la maman ? Oui, c'est ce qu'elle me fait comprendre. Elle me dit « Excuse-moi si je ne parle pas bien, parce que je ne connais pas le décodeur d'Aaron. » Elle me dit « Mais tu sais que je suis là. Tu sais que... » Ok. Ça fait au moins 10 ans qu'elle est partie, cette dame. Parce qu'elle me dit « Ça fait... J'entends... Ça fait fort longtemps qu'elle attend. Ça fait fort longtemps qu'elle attend. Elle t'aime. » C'est les premiers mots. Elle ne te l'a peut-être pas assez dit parce qu'elle était occupée. Mais là, elle te le verbalise encore plus et devant tout le monde. Elle me dit, désolée d'avoir peut-être été un peu à côté, d'avoir été peut-être... une maman un peu... j'ai ce mot désinvolte avec toi, un peu ailleurs. Elle me dit, la vie était comme ça. C'était une autre... comment dire ? Un autre temps, elle me dit. Elle me dit, il y a une chose qu'il ne faut pas que tu oublies, c'est l'amour que j'avais pour toi. J'ai le mois de juin qui vient avec vous. Est-ce que ça parle ? Bon, alors c'est cette fameuse lettre J qui se dessine. C'est quoi le mois de juin ? D'accord. Et par ce mois de juin, elle me fait comprendre qu'il ne faut pas que vous vous sentez responsable de quoi que ce soit. Vous avez été là jusqu'au bout, malgré peut-être son absence. Elle me dit, tu as quand même été là, ma fille. Elle me dit, c'est marrant, elle n'appelait pas quelqu'un avec ce prénom en Hête, Minette ou Pépette, ou quelque chose comme ça. Pépette, oui. C'est qui qu'elle appelait comme ça ? Sa petite fille. Sa petite fille, elle l'embrasse. Elle l'embrasse parce qu'elle me dit que... Alors, c'est peut-être pas votre guide familial, mais c'est le guide familial de votre petite fille, et elle est très fière de ça. Elle m'engueule un peu, elle me dit, je serai quand même là pour ma fille, hein, quand même. Je serai quand même là pour ma fille. Elle me dit...
Elle passe un peu du coq à l'âne, mais c'est pas grave. Elle me fait comprendre qu'elle est fière de ce que tu es. Elle me dit, prends soin de toi, habille-toi, maquille-toi, essaye d'être heureuse parce que ton bonheur, c'est mon bonheur. Elle me dit, oh, c'est drôle, il y a quelque chose de particulier avec la... Ça n'a rien à voir, mais elle me le donne avec la lessive. Vous devez acheter de la lessive ou quelque chose comme ça? Non? Bon, je vous le marque parce que je le reçois. Je ne sais pas pourquoi, elle me donne des bidons de lessive. À chercher parce que elle me les envoie comme, je ne sais pas, vous n'avez pas cassé votre machine à laver il n'y a pas longtemps? Bon, j'essaye de traduire en fait pourquoi elle me donne ça. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Elle me fait un beau sourire. Elle me dit, d'ailleurs, ok. D'ailleurs, je pense que tu as une photo de ta maman chez toi. Et il n'y en a qu'une où elle a le sourire. Elle a très peu de photos où est-ce qu'elle a le sourire. Elle me dit, c'est celle-là où je suis le mieux. Elle me dit, elle me montre une fleur de couleur rouge parce que j'arrive pas à donner le nom de la fleur. Je suis désolé. Mais elle me montre une fleur rouge. Parce qu'elle aime la fleur rouge que tu lui mets à côté de temps en temps. C'est correct? Ouais. Ouais. Elle me dit, reste comme tu es. Aujourd'hui, c'est un honneur d'avoir pu te parler. On m'a donné l'autorisation de l'autre côté. Elle me dit aussi... Elle n'en veut plus à mon papa. Pardon? Elle n'en veut plus à mon papa. Ben, elle m'en parle pas, donc c'est... C'est... Elle m'en parle pas. Elle m'en parle pas. Elle me dit, de l'autre côté, j'accueille ces fameuses âmes qui ont des problèmes de violence, des femmes qui ont des violences. Je leur montre le chemin. Je veux leur dire que on peut se réparer de l'autre côté de tant de misère humaine, elle me dit. Elle me dit, c'est marrant, elle me parle. Elle a déjà essayé de mettre fin à ses jours, cette dame, par des cachets, elle me dit. Elle me dit, ça n'aurait pas été l'une des meilleures solutions. Elle me dit, elle me redit qu'elle t'aime. Elle me dit, elle te dit merci d'accepter le message parce que c'est important. On n'est pas tous, armés pour accepter les messages. Et toi, aujourd'hui, c'était le moment. C'est marrant, vous êtes les copines? Bon, elle me dit que tu as des copines en or, elle me dit. Tu peux leur faire confiance. Elle valide les copines. Elle valide pas, je sais pas si tu es célibataire, mais si, eh ben c'est très bien parce que peut-être que elle validait peut-être pas la personne avec qui tu étais, que ça y convenait pas. C'était pas terrible. Elle me dit, je te laisse parce que j'ai beaucoup d'autres, il y a beaucoup d'autres messages à passer et de l'autre côté, je fais don de soi pour laisser aussi ma place un petit peu aux autres, mais sache que je ne suis pas très loin. Sache que je viendrai te voir dans les rêves. Sache que je t'aime, ma fille. Merci beaucoup. Et c'est tout. Et c'est tout. Merci à vous. Juste une dernière fois, le prénom de Marie, ça parle? Non. Ah ben c'est parce qu'elle m'a fait marquer Marie en fait, à côté. Elle m'avait fait marquer Marie en fait sur mon petit papier, comme s'il fallait que je... Elle était croyante, c'est ça? C'est pour ça. Allez, on va continuer. On va continuer. Ok, j'ai sur ce contact, j'ai peu de renseignements, mais j'ai une mamie avec le prénom de Aline. Est-ce que ça peut... Oui? D'accord, eh bien oui. C'est encore par ici, je suis désolé. C'est pour ça que je ne prends pas de photos en fait. Vous voyez? Alors, votre grand-mère. Alors, peut-être que ça ne sera pas un message aussi fort
j'ai pu avoir pour les autres contacts, parce que j'ai vraiment eu que mamie et Aline. Ça parle à personne d'autre de toute façon. Bon. Parce que nous, on l'appelait pas mamie. Vous l'appelez Aline? Non, Mimi. Bon. Maintenant, c'est moi, c'est Aline qui va me parler. Ouf. Elle était maladroite comme dame, cette dame? Pas du tout. Ok. Alors, la première chose qu'elle me montre et qu'elle me fait, elle me prend un stylo rose. Je ne sais pas si le rose était sa couleur. Pas du tout. J'avais cette couleur rose, en fait, regardez. Qui... Est-ce que ça parle à quelqu'un d'autre? Vous voyez, quand on peut se tromper. Oui. D'accord. Est-ce que le rose, ça vous parle? Mais le rose, ça vibre. Bon, allez, on... Aline, il n'y a personne? Ok, donc c'est Annick, c'est ça? Annick, ouais. Allez, je vais... De toute façon, je vais voir. Si je fais fausse route, on laissera passer l'âme. Allez, faites passer le micro. Je regarde. Allez, parfait. Alors, Aline, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle était maladroite, cette dame? Elle l'a jamais avoué, mais oui. Ah ben oui, parce qu'elle m'a fait tomber les crayons, je sais pas si... Ceux du premier rang, je sais pas si... Donc voilà, quand on est... Elle est surtout alcoolique. Voilà. Et oui, mais c'est moi qui dois le dire, ça. Attention. Hein. Et je comprends pourquoi j'ai tout fait tomber. Bon, alors, je pense que c'est pour vous. C'était... Alors... Et ouais, mais vous m'avez coupé le canal. Là. C'est pas grave. Allez. Ok. La première chose qu'elle me montre, donc Annick, aussi en plus de cette couleur rose, elle se mettait un rouge à lèvres rose, c'est ça, pas très beau, je suppose. Voilà, c'est ça. Elle me dit. Que l'habillement c'était compliqué, parce que peut-être quand tu fais ça, elle me dit oui, des fois je sentais pas très bon, elle me dit voilà, elle me dit ma petite je t'aime, ma petite c'était aujourd'hui. Elle me parle aussi du mois d'août pour toi. Est-ce que août il y a quelque chose d'important? Oui, ok. je le prends. Elle me dit tu t'attendais pas à moi aujourd'hui, mais c'est comme ça. Je suis ton guide familial et c'est comme ça. Elle me dit, c'est fou. Tu as un petit copain? D'accord. Elle a une vision neutre. Elle l'a connu, ce jeune homme. D'accord. Elle a une vision neutre sur ce jeune homme. Il boit pas, ce jeune homme. D'accord, ok. Parce qu'elle a une vision neutre et j'arrive pas. Elle n'arrive pas. Elle était quand même dure, cette dame avec les... Elle a été dure avec le mari de ta maman, avec ton papa? Ah ben oui, ok. C'est pour ça, parce que la maman est pas loin, peut-être. Non? Elle est pas là, la maman? Pas du tout, elle est en Bretagne. Ah ben écoute, c'est parfait. Bon, tu transmettras qu'elle s'excuse par rapport à ton papa d'avoir mis peut-être des bâtons dans les roues à l'époque, ou vice-versa. Je ne sais pas si tu comprends, parce que cette dureté, elle veut s'en excuser, c'est pour ça qu'elle est à côté de toi. Elle me dit, j'ai le chiffre 11 aussi qui vient, alors je ne sais pas. Tu, c'est pas grave, tu es sous l'émotion, tu viendras chercher le papier. Elle me dit aussi, ah c'est marrant, tu aurais pu avoir un petit chien style poil dur ou quelque chose comme ça avec elle. Elle me dit que ce petit chien, il est avec elle et qu'elle s'en occupe bien et qu'elle n'oublie plus de lui donner à manger parce que son alcool pouvant aider son esprit à partir, elle me dit. Elle me dit qu'elle est très fière de toi, très fière de ce que tu deviens, très fière des projets que tu as pour te mettre en ménage peut-être. Oui, elle me dit... Ok. Elle me dit aussi que, je ne sais pas si tu as des frères et sœurs, alors tu ne me réponds pas, mais... c'est comme si tu étais un peu sa préférée, comme si
peut-être que tu l'aidais dans son alcoolisme, elle me dit. Et ça lui fait du bien, ça lui réchauffe le cœur. Et elle me dit, demande-moi. Tout ce que j'ai peut-être pas fait dans l'au-delà, je le ferai pour toi, ma petite, elle me dit. Elle me dit... Ok. T'as récupéré un collier, un vieux collier à elle. Elle me montre un vieux collier un peu sale, un peu pas joli. Alors, c'est peut-être ta maman, tu demanderas. C'est un objet un peu clé. Les objets clés, c'est... Tu le touches, ça te met en connexion avec le ou la défunt, un peu comme la lampe d'Aladin. On va dire ça comme ça. Elle me dit... Oh, c'est drôle. Tu dois aller chez le dentiste. Elle me dit, n'oublie pas ton rendez-vous dentiste, ou quelque chose comme ça. Bon. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Je te l'ai noté. Elle avait des problèmes de dents, cette dame? Ah oui, d'accord, ok. Bon, c'est pour ça qu'elle me dit, n'oublie pas ton dentiste. Bon, voilà, prends-le. Comment s'appelait ce petit chien? J'ai pas le prénom. Parce qu'il est là, il est un peu foufou. C'est vieux, hein, c'est pas l'année dernière. Bibus. Ah, j'allais dire Titus, non? Bibus. Bon. Oui, je pense, c'est bien lui. Elle s'en occupe bien, hein, de ce petit chien de l'autre côté. Elle me dit, je suis meilleure grand-mère de l'autre côté que ce que je l'ai été sur Terre, elle me dit. Elle me dit qu'elle t'aime. Elle me dit, elle viendra te voir dans les rêves, cette dame. Je ne sais pas si tu fais des rêves, si tu rêves beaucoup, mais ça sera son canal et son comment dire... Son passage, c'est comme ça qu'elle viendra te voir. Elle me dit, oh, c'est marrant, tu écris, toi? Parce que c'est comme si j'avais un cahier intime ou quelque chose comme ça où tu mettais toutes tes... Qui c'est qui peut avoir ça? Ma mère. Ta mère? Sa fille. Sa fille, ok. Tu ressembles à ta mère ou pas? Ah ben c'est pour ça, j'ai le décodeur, il brouille un petit peu là. elle voit tout ça et il faudra garder tout ça. Elle est fière de ce qu'elle écrit, ta maman, sur ce livre et sur ce cahier. Elle veut écrire un livre, c'est ça? Voilà. Eh bien, comment dire? Mets un peu de son ex... doucement, s'il te plaît. Ok, doucement. Ok. Mets un peu de ta grand-mère dans ce livre, elle me dit. Tu fais passer le message à ta maman et ça va bien aller. Elle me dit... marrant parce que elle me montre, tu tires les cartes ou quelque chose comme ça? Oui. elle me dit, tu es dans le juste, ma petite, mais protège la séance et demande-moi avant chaque tirage un petit mamie, aide-moi, ou tout simplement. Parce que c'est important et je veillerai à ce que tout se passe bien chaque fois. Fais-toi confiance. Ok. Allez, je regarde si j'ai autre chose. C'est tout. C'est tout pour toi. C'est tout. Merci à Annick d'être là. D'avoir fait. Merci. Tu viendras récupérer le gribouillage après. Hein? Allez, parfait. Ok. J'ai une dame. Alors attendez. Je ne sais plus où elle est cette dame. Qui a prévu de... je sens que c'est par là. Qui a prévu de faire un voyage, un peu un voyage pour retourner où il est né? Alors attendez. Un peu retourner aux sources ou quelque chose comme ça. Dans son. C'était plus bas. J'ai un doute avec la dame. Oui. Vous n'avez pas prévu de faire un voyage peut-être? Pas spécialement. Et pour vous? Ouais, je pense que c'était. Alors, ça, écoutez, c'est. Vous venez pour une grand-mère? Pour votre grand-mère? Pas vraiment. Pas vraiment. D'accord. Parce que ce défunt est venu me voir. Il m'a dit, il y a une jolie.
une jolie dame qui habite soit la Guadeloupe, soit un pays africain, qui m'a dit qu'elle allait faire un voyage pour retourner aux sources et elle valide, cette entité valide tout ça. Moi, j'ai une âme féminine qui est venue me voir. Je pensais vraiment que c'était votre... Ma grand-mère paternelle, je pense. D'accord, ok. Alors, cette, comment s'appelait-elle ? Jeanne. Allez, je prends. Je suis désolé. Hein. je suis désolé. Alors, cette grand-mère Jeanne, elle me dit... elle vous remercie et faites le voyage. Parce que c'est important. C'est important, c'est vos racines. Elle me parle de racines. Et c'est ce que j'avais... ok. Elle me parle aussi... vous avez des biens là-bas ? Non. Je ne comprends pas pourquoi... De la famille. De la famille. Il y a des biens, en fait, je ne sais pas pourquoi. Elle me parle de biens, de maisons, de peut-être qui lui ont appartenu ou quelque chose comme ça, qui ont été... qu'il fallait garder, en fait. Elle me parle du mois de janvier, cette dame. Alors, je ne sais pas si... pour vous et pour elle. Je vous transmets le message. Vous prenez le petit gribouillage. Après, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas aller très loin parce que j'ai eu peu d'indices. Mais il fallait que je vous passe quand même ce message en disant « Faites le voyage parce que c'est important. N'oubliez pas vos racines parce que c'est important. » C'est l'avion qui vous fait peur ? Oui. Elle me le dit. Elle me le dit. Elle me le dit. Elle me dit, en fait, le seul problème, c'est l'avion. Alors, il ne va pas s'écraser, elle me dit. Il y a plus de chance de s'écraser sur un passage piéton que dans un avion, je vous rassure. Mais c'est vrai en plus. Elle me dit... elle me reparle toujours du mois de janvier. J'ai aussi le chiffre 11 qui vient avec vous. Je ne sais pas pourquoi. Prenez... je crois que c'est... mon papa est décédé en 11. D'accord. Bon, ben, on... son fils. Son fils. Eh ben, ok. Elle me parle pas de son fils. Je pense que vous étiez peut-être venu pour son papa ou une âme masculine. Mais j'ai pas ça. J'ai que cette dame aujourd'hui qui vient et qui me dit... c'est fou parce qu'elle me dit « Croyez en vos rêves et croyez en vos racines parce que c'est important », elle me dit. Ce qui est important, c'est que cette dame, donc ma grand-mère, est décédée pendant sa sieste. Et elle le tenait dans les bras à mon papa, qui ne l'a jamais connu, d'ailleurs. Voilà. Donc quand mon papa en parlait, il parlait de sa maman, Jeanne. D'accord. Voilà. Ok, bon, donc, ça, elle me l'a... Alors, oui. Elle me l'a pas montré, mais les origines, c'est important pour elle. Allez. Elle me fait comprendre qu'elle est tout le temps là pendant vos fêtes et vos repas, cette dame. Ouais. Parce que, je ne sais pas, elle devait être bonne cuisinière, ça c'est, j'en suis absolument sûr. Mais elle me dit que vous l'êtes aussi et que vous aimez faire plaisir et vous aimez recevoir. Ouais. Et elle est là quand vous faites elle me dit vos soirées. Vous chantez du gospel. Voilà. Et elle est très fière de tout ça, de tout ce que de tout ce que vous transmettez. Allez. Ok. Elle me montre quelqu'un qui était commerçant, c'est possible chez vous ? Elle me montre une personne qui était commerçant, qui, je sais pas, qui avait un commerce ou quelque chose comme ça. Ça peut vous parler ? Alors moi, j'ai repris un commerce, vous ? Oui, ben je prends. moi, ça me va, ça me plaît tout ça. Quand elle était un peu craintive, votre maman, dans votre grand-mère, dans parce qu'elle me parle, mais c'est... Je ne sais pas, elle ne devait pas donner sa confiance en tout le monde, cette dame. Mais ça doit être peut-être la première fois qu'elle passe dans un décodeur, elle ne sait pas. Oui, c'est-à-dire qu'elle est décédée très jeune d'une crise cardiaque à 36 ans. D'accord. Bon,
C'est votre guide familial. Le commerce que vous avez pris, félicitations. Elle, voilà. Demandez-lui, quand il y a des doutes, quand il y a l'URSSAF qui vient ou les impôts. Hein, voilà. Je lui envoie la facture. Ben oui. C'est arrivé hier, l'URSSAF. Oui. Mais voilà, demandez-lui quand... et elle me fait comprendre que, pour elle, que vous soyez toujours... il y a quelque chose d'important pour elle. Que vous ayez un toit sur la tête, vous soyez en bonne santé, et que vous ayez assez de richesse pour vivre, elle me dit. Et c'est important pour votre grand-mère. C'est important. Il y a qu'une chose que je me permets de rajouter. Oui. Parce que je n'ai pas de photo de ma grand-mère. Personne. On ne sait pas quoi elle ressemblait. C'est pas grave. Ça, c'est pas bien grave. Et ce qu'il y a de fou, c'est que elle vient me chuchoter à l'oreille en disant qu'il y a une personne qui va venir comme ça, comme ça, comme ça. Et comme tout à l'heure, je disais, elle ne s'est pas montrée physiquement. Et elle ne se montre pas physiquement à moi. Je ne pourrais même pas vous la décrire parce que j'ai juste de la clairaudience. Ou quand elle m'envoie des flashs en clairvoyance, c'est des flashs par rapport à vous. Ou par rapport à vous avez peur de l'avion, des choses comme ça. Mais elle ne se montre pas. Il y a une chose qu'elle veut vous faire dire, c'est que... elle me montre ses cheveux. Elle devait avoir de très beaux cheveux. Je vous l'envoie parce qu'elle devait avoir de très beaux cheveux. C'était une métisse. Ouais, exactement. Et c'est ce que j'allais vous dire. Et elle devait s'occuper c'est marrant parce qu'elle devait avoir une peau, mais magnifique. Elle devait avoir une peau magnifique et elle me montre ses sourcils bien dessinés. Elle devait prendre soin de ses sourcils et c'est tout ce que j'ai à vous donner. Et c'est tout. Je ne vais pas aller plus loin parce que j'ai que ça et inventer une vie, c'est pas mon but, inventer une vie. Merci à vous. Allez, on va continuer. Ok. J'ai quelqu'un qui est venu. Alors, j'arrive pas à donner de sexe à cette âme. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui était androgyne ou quelque chose comme ça. Je suis pas arrivé à donner je sais pas si c'est une âme féminine ou une âme masculine parce qu'elle me l'a pas dit. J'ai quelqu'un qui a mis volontairement fin à ses jours parce qu'il se faisait harceler. Et il y avait ce côté Instagram et Facebook sur les réseaux sociaux. Et j'ai reçu cette phrase, c'est comme ça, et puis bye. Est-ce que ça peut parler à quelqu'un? Oui. C'est pas grave. C'est mieux peut-être que... voilà, c'est mieux peut-être que on laisse passer une âme. C'était qui pour vous, madame? C'était le fils d'Annie. Oui. Comment il s'appelait? Matisse. Oh. J'avais cette lettre M qui venait. Ouais. Je pense que c'est lui. Il était un peu androgyne, ce garçon? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Il se faisait harceler à l'école et tout ça? Apparemment, oui. D'accord, ok. Et ça a été dit sur les réseaux, les choses comme ça? Apparemment, oui. On n'avait plus de relation avec ses parents, donc on ne voyait plus, mais... Bon, c'est pas grave. C'est vous allez pouvoir passer le message ou pas. Moi, je vous donne un peu... Vous avez quelques renseignements sur ce jeune homme? Oui, un petit peu. Bon, d'accord. Est-ce qu'il a mis fin à ses jours par pendaison? Non. Non. Oui. C'est là où c'est plus pour vous. Ça parle à personne d'autre. Monsieur en rouge, je suis persuadé que c'est pour vous. Non, vous ne connaissez pas la personne. Ben oui, mais... Elle s'appelle Maxime.
Ah bah oui, bah. Ah bah oui. Il sait. Ah bah oui. Ah oui. Tout ce que j'ai dit, il se faisait harceler, tout ça. Oui. Voilà. Ça a été dit sur les réseaux, les choses comme ça. Oui. Voilà, merci. Je savais que c'était pour vous, mais j'attendais en fait. J'avais un doute avec. Alors, pourquoi il est venu à vous aujourd'hui, ce Maxime? Je ne sais pas. Vous aviez quelle relation? Mis à part que c'était un camarade de classe. Oui, il était ami il y a très longtemps. D'accord. Eh bien, Maxime, c'est ton... Je peux te tutoyer ? Ouais. Maxime, en fait, c'est ton guide familial. Alors, c'est fou, mais c'est comme ça. Pourquoi il vient aujourd'hui ? Pourquoi il vient aujourd'hui ? Il va me donner le pourquoi du comment. Ok. S'il vient te voir aujourd'hui, déjà, il te remercie d'accepter de prendre le message. Parce qu'il me dit, je sais que c'est pas évident ce que je te demande, parce que, bon, on va pas se mentir, l'au-delà, tu crois pas trop. Voilà. Voilà. On est d'accord. Tu as des difficultés en ce moment, peut-être au boulot ou des choses comme ça, d'ordre du quotidien? Oui, ben ça va. Oui, bah oui. Oui, on fait avec, voilà. Alors. Pourquoi il est là, ce jeune homme? Il me fait comprendre qu'il ne faut pas que tu te laisses envahir par tout ça. Et il faut que... C'est bête ce que je vais te dire. Je sais, tu me regardes un peu comme un extraterrestre, mais ce n'est pas grave. Je m'en fous. J'ai connu pire. Demande à ce jeune homme de t'aider dans la pensée. D'accord? Ça paraît fou. Je sais, ça paraît complètement fou. Mais au pire, ça ne fonctionne pas. Au mieux, tes problèmes vont s'arranger. Quand tu as des soucis, et comme tu peux avoir des petits soucis, peut-être de travail, peut-être d'études, ou peu importe, demande à ce jeune homme de venir t'apporter un soutien, parce que c'est important. Il sera là. D'accord? Il y a quelque chose de... Tu m'as dit que tu l'as connu quand tu étais jeune, c'est ça? Oui, il y a très très longtemps. Tu devais avoir 10 ans, ou quelque chose comme ça. Ok. Il me dit que c'était ses meilleurs moments et que le collège a été un peu fatal pour lui. Il me dit, tu le prends de toute façon, il y a beaucoup d'affection pour toi, beaucoup d'amour, et il te dit je t'aime, et il rétorque, il dit oui, on peut se dire je t'aime entre hommes parce que c'est pas interdit. Il me dit, pense à moi comme un ami, mais pense à moi comme un guide aussi. Parce que je suis à côté de toi. Il me parle. Ok. C'est bizarre. Tu connais quelqu'un qui s'appelle Olivia? Non. Olivier? Oui. D'accord. C'est qui? Un collègue de boulot. D'accord. Qui t'embête? Ah oui, ça. Ben voilà. Ok. Là, c'est bon, tu crois un peu plus en l'au-delà? Il était comme ça, non, Maxime, un peu? Oui. Ah ben oui. Bon. Te laisse pas emmerder par Olivier. D'accord. J'avais ce mois de juin aussi qui venait. Je ne sais pas si juin, c'est un mois pour toi, pour lui. Peu importe. Tu viendras récupérer mon gribouillage. Après, tu enverras un mail à Jean-Marc en disant que je suis exceptionnel. Je prends note. Prends note. Ce jeune homme, en fait... Non, c'est pas fini. Incroyable. Ce jeune homme, en fait, il vient te voir, en fait, pour te dire, sois fier de ce que tu es, sois fier de ce que tu vaux. Parce que je suis persuadé que ce que tu fais au travail, c'est bien, et que te laisse pas emmerder par cet Olivier. Et puis, si ça ne va pas, change. Si ça ne va pas, je ne sais pas, déménage, change de travail, parce que tu as tout pour réussir, il me fait comprendre, ce jeune homme. Ne finis pas comme moi. D'accord? Ok. Il me dit...
Tu t'es fait un tatouage il n'y a pas longtemps ? Il y a un an. Il y a un an. Alors, il aime bien le tatouage, le dernier tatouage que tu t'es fait. Il me dit, ça correspond à quoi ? Si tu as envie de le dire ou pas. C'était une amitié avec une personne. Ben voilà. Il n'y a rien sans rien. Il me dit... Il me dit, reste dans cette énergie. Pense à moi de temps en temps. Je m'en vais le cœur serein. Il m'engueule encore, il me dit non. De l'autre côté, il n'y a plus de cœur, mais tu me comprends. Il me dit... Quel bonheur d'avoir pu te parler un brin. Aujourd'hui, je te laisse, mais maintenant tu sais que je suis à côté de toi. Il me fait comprendre. Il me dit... Tu fais de la musique, du piano, des choses comme ça. Oui, du piano. Du piano. Il est là quand tu joues. Quand tu joues du piano, en fait, et c'est important de penser à lui dans ces moments-là, parce que c'est là où il est le plus proche, ce monsieur. Il m'engueule, il me dit non, ce jeune. Et t'as un chat aussi. Je ne sais pas pourquoi il y a ce côté chat qui est peut-être pas désincarné. D'accord, ok. Ok. Parce qu'il me montre l'image de toi jouant du piano avec un chat sur le piano. Écoute. Parce qu'il aime bien tout cet ensemble de toi. Et il me dit, tu vois, il me fait comprendre, tu vois, aujourd'hui. J'ai repoussé tes limites sur l'autre côté du voile, il me dit. Et c'était important pour moi. Il s'en va, il te dit qu'il t'aime, et il te répète. On peut se dire je t'aime entre hommes, c'est pas mal. J'ai quelque chose. T'as quelque chose de particulier avec ta jambe ? Bon, je ne sais pas pourquoi il me montre ta jambe, ton pied, je ne sais pas. Si, fais attention la nuit de ne pas te taper les pieds ou quelque chose comme ça. Parce que tu dois être peut-être un peu maladroit ou il rigole bien de la haute, tout ça. C'est tout ce qui me... Ça me rappelle un souvenir. Avec lui ? Oui. Ben voilà. Il me dit... Je te laisse, et j'ai le cœur serein, je te laisse. Et il t'embrasse comme ça. Et il te dit, il est très fier de toi parce qu'il dit, tu vois, on a fait du bon travail tous les deux. Il dit maintenant, il sait qu'il y a quelque chose après. Et c'est tout, il s'en va. Merci. Merci à lui. Merci beaucoup. Merci. Allez. On va continuer. Hein. Vous voyez, quand je tombe sur la bonne personne, c'est... Mais depuis le début, en fait, je savais que c'était par ici. Et quand vous avez levé le doigt, je me suis dit, tiens, je me suis trompé. Et puis j'avais le M qui venait et qui me disait, mais non, c'est pas là-bas. Allez, on continue. J'ai un monsieur, alors c'est un monsieur, et c'est un accidenté de la route, comme un accident de voiture. Oula. Ok. Alors c'est un jeune homme, déjà. Il devait avoir peut-être en dessous 18 ans. Alors, ce qu'il y a de fou, c'est que je pense que c'est pour vous. Ouais. Ça vous parle, ça ? Ça vous parle ? À quel âge ? Il y avait une voiture qui... Voilà. C'est pour vous. Allez. OK. Comment s'appelait-il ? Gérard. Voilà. OK. Allez. Gérard, qu'est-ce qu'il me dit ?
C'est bizarre parce que Gérard, il me dit... Il me dit que tu t'attendais pas à lui aujourd'hui. Non, pas non. du tout. Alors, stop. Parce que je sais ce que vous allez me dire. Parce que Gérard a accueilli un autre garçon il n'y a pas longtemps. Il me dit, c'est votre mari ? Oui. D'accord. Et il me dit, il est bien arrivé, on s'occupe de lui de l'autre côté. Il me dit, c'est quelque chose... Alors, il me fait... je ne pleurerai pas, je vais rentrer dans l'émotion après. Il me dit... Gérard, il me dit, c'est passé très vite cet accident. C'est allé très vite. J'ai rien vu venir. Il me dit, il y a eu un parce que bon, il me montre l'accident et on a dû essayer de le réanimer ou des choses comme ça et l'amener à l'hôpital. Il me dit, mais j'étais déjà parti. C'était déjà trop tard. Mon corps, il me dit. C'est comme dans les séries, je me voyais à côté, il me dit. Il me dit, vous pouvez me donner le prénom, juste le prénom du monsieur qui l'a recueilli. Jean-Paul. Ok. J'ai le chiffre 23 qui vient. Ça parle à... Non, c'est pas grave. C'est noté. Vous inquiétez pas, c'est noté. Oui, dites-moi. Mon amie à côté me dit que c'est le jour où elle était chez nous. Elle a vu la dernière fois Jean-Paul. C'est possible. On va le prendre à moitié, mais on va le prendre quand même. Alors, Jean-Paul, je vais. On ne m'autorise pas à vous délivrer un message pour Jean-Paul aujourd'hui. C'est juste peut-être que c'est trop frais. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais je pense que vous aviez l'envie de savoir s'il était bien arrivé, s'il allait bien, s'il était bien arrivé surtout. Et tout ça, il est bien arrivé. Il ne me montre pas comment il s'est désincarné. Gérard ne me montre pas comment s'est désincarné Jean-Paul. Alors, je vais prendre tous les signes. Il toussait beaucoup, Jean-Paul. Il fumait beaucoup. D'accord. Est-ce que c'est la cause à effet de son désincarnation ? Oui ou non ? Pour moi, oui. D'accord. Ok. Parce que j'ai... Alors, je vais vous donner ce que j'ai. C'est peut-être peu, mais voilà. Il aurait pu... C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai un contrat de pas trop monter, de pas trop montrer les fins de vie, mais peut-être pour Jean-Paul, c'est important. Il a terminé ses jours à l'hôpital, Jean-Paul ? Non. Bon. Alors, j'aurai pas de message aujourd'hui pour Jean-Paul. D'accord ? Juste, Gérard me dit qu'il est bien arrivé, qu'il a récupéré ce monsieur et qu'il s'occupe de lui, qu'il le répare. D'accord ? Parce que ce qu'on me donne, c'est comme s'il toussait et comme s'il s'étouffait et comme s'il tombait. C'est tout ce que j'ai. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Bon. Je dois vous dire de quoi il est parti. Non. Bon, pas pour l'instant. Après, c'est juste pour pas que j'ai des éléments et pour pas que ça tronque les choses. Par respect pour votre défunt mari. Ok, je peux vous poser une question. Il vous avait offert des fleurs juste avant. Il vous avait offert un bouquet de fleurs dans la semaine qui suivait, parce que j'ai ce chose de bouquet de fleurs, comme si vous aviez mis un bouquet de fleurs chez vous,
ou quelque chose comme ça, de couleur orange. J'avais cette couleur orange. Non. Bon. Alors, je vais m'arrêter là par rapport à Jean-Marc, c'est ça ? Jean-Paul. Jean-Paul. Gérard, il me dit que... bon, j'avais toujours ce chiffre 23 qui venait par rapport à Gérard. Il me dit qu'il l'a bien accueilli, votre défunt mari, que lui, c'est votre guide familial pour l'instant. Et oui, ça paraît fou, même si c'est loin, même si c'est loin, eh ben, il faut l'accepter comme ça. Il n'en veut pas à la voiture qu'il a percutée, il me dit. C'est tout ce que je vais avoir. C'est tout ce que je vais avoir par rapport à... Même à Gérard, c'est tout ce que je vais avoir. C'est fou parce qu'on me redonne ces fleurs oranges, style délice C'est peut-être les fleurs qui sont encore sur la terrasse de son enterrement. Il y a des fleurs oranges parmi les compositions. Et c'est vrai, je les aime beaucoup. J'ai pas eu le temps de tout replanter. Et je les regarde, je dis, oh, pourvu que ta mère ne meurt pas. Merci, madame. Merci. Non, c'est pas fini. Alors, pour l'instant, Jean-Paul, c'est ça ? Oui. Jean-Paul se raccroche à ses fleurs parce que c'est important. C'est ce qu'il m'a montré. Ça veut dire qu'il voit peut-être que vous vous recueillez à côté de ses fleurs. Eh bien, il reçoit toute votre peine et toute votre chagrin. Mais pour l'instant, c'est compliqué pour lui de communiquer. C'est très compliqué pour lui. Mais sachez qu'il ne vous oublie pas. Il me fait comprendre qu'il ne vous oublie pas. C'est marrant. J'ai le chiffre 45. C'est quoi ? Ou 1945 ? Je ne sais pas. C'est pas grave. Vous viendrez récupérer, ça viendra après. Pas de souci. Il me parle aussi... Vous avez passé de la musique le jour du dernier voyage ? Oui. Oui. Vous avez entendu la musique, là ? Voilà. Alors, je pense que, plus que ça, comme signe, c'est magnifique. Je ne sais pas qui a son téléphone, mais... Non, mais ce n'est pas grave. C'était un signe. Donc, je répète, couper les téléphones, mais là on... parce qu'il me montre qu'il a entendu la musique que vous avez passée le jour du dernier voyage. Ce monsieur devait aimer les années 70. Je ne sais pas pourquoi. Et il devait aussi aimer... c'est drôle parce qu'il m'envoie le film Grease. Je ne sais pas si c'était un de ses films préférés ou quelque chose comme ça. Parce qu'il m'envoie Grease comme film. Ok. Alors, je vais vous donner le dernier flash que j'ai. Parce que c'est un peu compliqué. Et qui me fait mentaliser votre défunt mari. J'ai quelque chose avec la justice. Il y a quelqu'un qui est dans la police ou quelque chose comme ça. Dans la famille ? Ouais, dans la famille. Oui, c'est un cousin. Un cousin ? Il aimait bien ce cousin ? Oui, il aime bien. Ça me fait parler, penser à un souvenir. C'était un gendarme. D'accord. Et quand on a été à son anniversaire, il y avait beaucoup de gendarmes. D'accord. Ok. Et tous, ils se présentaient, gendarme un tel. Et mon mari, il avait fait de la prison. Il avait dit Jean-Paul, 5 ans ferme. Ok. Bon. Ben, c'est parfait. Il me donne ça et je prends parce que c'est quand même un souvenir qu'il a. Il a du mal à parler, c'est normal. C'est vraiment sa première dans un décodeur de médium. Eh bien, il embrasse ce monsieur qui est gendarme, il me dit. Ah, ben, je dirais ça à Mathieu. Voilà. Le deuxième prénom de Mathieu, c'est quoi ? C'est pas Marc, par exemple ? Je sais pas, je le connais pas.
vous chercherez, parce que peut-être que Marc, ça va marquer. Allez, s'il te plaît. Il vous embrasse. Vous ? Vous êtes son fils ? Oui. Oui, il vous embrasse aussi. Il t'embrasse aussi. Il me dit... C'est fou parce qu'il me dit, maintenant c'est toi qui joues le rôle du père, il me dit. Il me dit... Il me dit qu'il vous aime fort, mais... La famille. Il n'y a pas de sœur, hein, parce qu'il ne me montre pas de sœur. D'accord. Alors, je suis désolé, c'est moins fluide, mais c'est parce que c'est quand même assez récent. C'est marrant parce que vous faisiez des soirées déguisées, des choses comme ça, avec ce monsieur ? Non, il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas ça, d'accord, ok. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il me... Il me montre une... Alors, c'est pas grave. Je vous le donne et puis vous chercherez. Il me montre une photo comme dans une soirée déguisée ou quelque chose comme ça. Peut-être c'est la fois... Ouais. Dites-moi. On a été à un rendez-vous, en fait, pour signer parce qu'on a une entreprise. D'accord. Et le temps que l'avocat nous reçoit, il avait... la salle d'attente... Il avait pris la robe noire de l'avocat et m'a dit, vite, vite, prends mon photo. Voilà. Et ben c'est cette photo qu'il faut que vous gardiez. Parce que c'est comme ça qu'il faut que vous vous souveniez de votre défunt mari et de Jean-Paul. Il me dit qu'il vous aime, il me dit, je ne suis pas très loin. C'est Gérard qui m'a accueilli. C'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien, il me dit. Il me dit... C'est marrant. Qui c'est que... Il me montre... Il y a quelqu'un qui doit passer un contrôle de sang ou quelque chose comme ça ? J'ai une coloscopie à passer. Mais... Ça va bien se passer, il me dit. Pas de stress, il n'y a point à signer. Merci, Jean-Paul. Je pense que c'est tout. Ah, c'est drôle. T'as une copine ? Oui. Il valide, en fait, la personne avec qui tu es. il devait bien aimer cette fille, cette jeune fille. Il me dit, vous n'êtes pas mariée ? Non. D'accord. C'est prévu quand, le mariage ? Dans l'année, là, ou quelque chose comme ça ? Non, rien n'est prévu. Rien n'est prévu ? Je t'ai grillé le... Bon, enfin... Bon, est-ce qu'elle aimerait aller plus loin ? Oui. Oui. Eh bien, je pense que cette année, tu vas avoir une demande en mariage de cette dame. Eh bien, accepte-le parce que ton papa sera là. Et il me dit qu'il sera là et gardez-lui une chaise vide. D'accord ? D'accord. D'accord. Avec... C'est marrant parce qu'il me montre la désincarnation est vraiment proche et je suis content qu'il m'ait déjà donné peu, c'est vraiment alors il me le dit pas ouvertement mais vous avez Gérard qui est vraiment votre guide à vous madame et Jean-Paul il laissez-le se réparer mais vous pouvez. Faites le deuil comme vous l'entendez. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de l'engueuler, engueulez-le. Parce que c'est pas parce qu'ils sont passés de l'autre côté qu'il faut changer de comportement. Pas du tout. Voilà. Et bien, c'est essentiel. Et merci à lui d'être venu aussitôt. Oui. Ça fait combien de temps qu'il est parti ? 15 jours ? 3 août. C'est pas grave. D'accord. J'ai le gribouillage. Et c'est tout. Et merci c'est tout. Beaucoup. Merci à lui. Merci à Gérard, à Jean-Paul et merci à toi. Beaucoup. Ben non, mais merci à vous de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Allez, on va continuer. Je vous ai encore tourné le dos. Hein.
Maintenant, je vais prendre une dame. Je ne sais plus où est-ce qu'elle est, la dame. Elle était là, elle est partie. Ah. Vous, madame, avec les cheveux bleus. Oui. Désolé. Désolé. Est-ce que... J'ai une question à vous poser. Vous venez pour votre papa ? Oui. Oui. Parce que quand vous êtes arrivé, il y a le papa qui a dit « Enfin, je vais pouvoir parler. » C'est la première fois qu'il passe dans un décodeur, ce monsieur ? Qu'il va passer dans un décodeur ? Non. D'accord. Alors, comment s'appelle-t-il ? Alexandre. Maurice. Ah, tout à l'heure, j'ai dit... J'ai pas de Maurice, et ben j'ai menti. il préfère Alexandre, je sais pas pourquoi. Ouais, moi aussi. Bon, ben voilà. Allez, on y va. La première chose qu'il vous dit, alors normalement je demande des signes de reconnaissance, mais là il veut vous dire qu'il vous aime. Donc voilà, alors on le prend. Il me dit tu vois, je t'ai pas oublié, je viendrai te voir autant de fois qu'il faut, que tu en as besoin, il me dit. Il me parle du mois de mars pour vous, je sais pas si. D'accord, eh ben, c'est parfait, c'est le signe de reconnaissance que je voulais. Il me dit, tu vois, je t'ai pas oublié, tu vois, je t'aime, tu vois la vie en bleu, il me dit. Non. Il me dit, il y a ce côté, prends soin de toi, il me dit. Et il me dit aussi, il m'envoie des choses un peu compliquées sur votre jeunesse. Ça pourrait être correct. Oui, des personnes qui ne vous ont pas respecté. C'est ça ? Oui. Voilà, j'irai pas plus loin. Il me dit, je suis content parce que tu as fait énormément de chemin. Je suis content parce que tu t'es remise de tout ça. Je suis content parce que je valide ce que tu es et ta vie que tu as pris. Et c'est important, il me dit. C'est drôle parce qu'il me dit, peut-être que... Je ne l'aurais pas accepté plus jeune ou quelque chose comme ça, il me dit. Il me dit, c'est toujours un bonheur de parler avec quelqu'un qu'on aime. Il me parle de l'éducation. Il me dit que peut-être l'éducation, c'était vraiment... Oui, il me dit, bon, il me dit, tu peux respirer, maintenant je suis de l'autre côté, tranquille, il me dit. Il avait de l'humour quand même aussi, ce monsieur, parce que... il me dit aussi... C'est marrant. Tu es en couple ? Oui. Oui. Il valide la personne avec qui tu es. Mais c'est important. peut-être qu'il ne la connaît pas, mais il l'a connue. Eh bien, il valide. Il valide tout ça. Et je vais même aller plus loin. Il bénit cette personne. Parce qu'il y a quelque chose d'important pour ton papa, c'est qu'il te rend heureuse. Voilà. Et ça n'a pas de prix pour lui. Il me dit... C'est drôle. Il me dit, tu achètes beaucoup d'habits, parce qu'il me fait comprendre, il me dit, elle pourrait acheter un peu plus d'habits pour se faire belle. Non. Ben ouais. Bon, c'est le message comme ça. C'est, voilà. Ok. Il y a un anniversaire qui arrive là. Oui. D'accord. Alors il sera là. Et c'est bizarre parce que j'ai un gros gros cadeau et je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais tu vas recevoir. Je ne sais pas pour qui est l'anniversaire, mais cette personne va avoir un beau cadeau et une belle surprise. Je sais pas quoi. D'accord. Bon. Eh ben, il m'a montré un cadeau plus gros que moi et je sais pas pourquoi il m'a montré ça, mais en tout cas, c'est la voiture. La valeur. La valeur. D'accord. Bon. Parce que c'est quelque chose de gros et il sera là. D'accord. Il aimait la tarte aux fraises, ce monsieur. D'accord. Parce qu'il me parle des fraises. Il avait un jardin ? Non. Pas du tout.
Je ne sais pas pourquoi il me parle des fraises et des fraises qui bon, on le prend. Je ne sais pas pourquoi il me dit ça. Il me dit. Il me redit que c'est un grand jour aujourd'hui et il me fait comprendre que autant de fois que tu auras besoin, autant de fois il viendra te voir dans les séances publiques. Il doit revenir souvent, non, ce monsieur, dans les séances publiques? Alors, non, je suis allée voir quelqu'un pour parler avec lui. D'accord. Avec lui ou ma mère, et puis c'est lui qui vient. D'accord. C'est lui que tu auras beaucoup plus que ta maman. Il me fait comprendre. Et chaque fois que tu viendras dans des séances publiques, eh ben, je pense que ce monsieur sera là. Voilà, c'est cadeau, il me dit. Il me dit... Oh, c'est marrant. Il me montre une brosse à dents. Il y avait quelque chose de particulier avec sa brosse à dents? Bon, je sais pas. T'as pas acheté de brosse à dents il y a pas longtemps? J'essaye de décrypter. Oui, mais bon. C'est l'usure. Oui. Mais t'en as acheté une il y a pas longtemps? Pas très longtemps. Ah ben oui. C'est juste pour te prouver qu'il est à côté de toi. C'est ton guide familial. Hein. Si t'en avais un doute... Voilà. Tu lui demandes quand tu as des épreuves et tu lui demandes aussi... C'est drôle parce qu'il se grattait les cheveux souvent comme ça, ce monsieur. Ah. Ouais, oui, parce qu'il m'a fait... Il m'a fait gratter les cheveux et c'est pas quelque chose que j'ai d'habitude. Il te fait un... Oh, c'est drôle. T'as récupéré un tableau ou un dessin de ce monsieur? Parce que c'est comme si je vois un... Alors, désolé si je ne traduis pas bien, mais c'est comme si tu avais fait un cœur ou quelque chose comme ça, ou au crayon ou quelque chose comme ça, ou qu'il y avait un tableau. C'est une photo de lui. D'accord. Et il y a un cœur, il y a un esprit. C'est une photo de lui avec ses mains. En cœur, comme ça? Non. Bon. Alors, je le prends, mais à moitié. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme si... t'avais dessiné un cœur en passant à ton papa, il me dit, il n'y a pas longtemps ou quelques semaines, un mois maximum. C'est peut-être que je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais il l'a perçu et il te redonne cet amour, en fait, il me dit. Et que c'est important. L'amour, c'est important, c'est ce qui reste. Il me dit, je te laisse, c'était un petit coucou pour te rassurer que je suis toujours là. Oh, c'est marrant. Il joue au casino, ce monsieur? Non. Alors, je vais noter, il y a quelqu'un qui me coupe la parole. Je vais faire comprendre que c'est après pour lui. Il sait, il profite après. Alors, il me fait comprendre qu'il t'embrasse et... Il me répète, tant que tu auras besoin d'avoir des messages, il sera là, ton papa. Il sera là. Je le sens. Et c'est ton guide, vraiment, c'est ton guide familial. Vraiment. Et c'est tout pour vous. Merci. Et c'est tout pour vous. Merci, Merci à lui. Tu viendras récupérer le... Allez, parfait. Alors, j'ai un joueur de casino qui avait le casino un peu comme maladie. Et un papa assez... Oui. Oui. Il était un peu comme ça, couper la parole? Ah oui. Ben oui. Eh bien, on va le prendre, hein, parce que sinon, on va me menacer. C'était un bon vivant, ton papa, un peu. Il me dit, il faut me passer. Il te salue comme ça, mais avec... avec force, il me dit. Il me dit, fais un coucou. Bon, comment il s'appelait? C'est bizarre qu'on arrive à... que j'arrive pas à donner les prénoms. Je me suis toujours posé la question, comment je peux être des fois détaillé sur des choses et pas donner les prénoms des défunts? C'est le grand mystère pour moi. Oui. Mais c'est pas grave. Comment s'appelait-il? Jacques. Jacques, bon. Ok. Ok. Alors, Jacques, c'est marrant, il m'a fait prendre le crayon bleu.
au hasard. Oui. Est-ce que le bleu, c'est peut-être une couleur qu'il aimait? Oui, et moi aussi. D'accord, ok. Eh bien, je te montre. Hein. C'est... j'ai cette couleur bleue qui est prédominante chez toi. Jacques, qu'est-ce qu'il me dit? Il me parle fort et s'il ne se calme pas, je... alors, il me dit, j'ai arrêté de jouer. Il me dit, enfin, j'ai arrêté de jouer. C'est fou parce que il s'est ruiné pour le casino parce que comment c'est arrivé c'était horrible quoi. Il devait passer sa vie au casino, ce monsieur. Il me dit, ne m'en voulez pas trop de tout ça, essayez de pas m'en vouloir de tout ça, parce que c'était un vice, que c'était une maladie, ma tête ne vivait que pour ça. En plus, il me fait comprendre que c'était il y a longtemps et qu'il n'y avait pas tous ces systèmes d'interdiction, de choses comme ça. Il me dit, je t'aime ma fille, je t'aime, c'est marrant. Il avait quelque chose au pied aussi, ce monsieur? Au pied, je ne sais pas, mais... Oui, oui, continuez, dites, parce que vous savez à côté. C'est moi qui ai des problèmes au pied, j'ai mal au pied. D'accord, ok. Et votre papa n'avait pas ça? Bon. Non. Alors faites attention à vos pieds, parce que s'il me l'a montré, c'est que, voilà, c'est important pour lui. Et juste pour info, sur ma chaise, il y avait ça. C'est-à-dire? Pieds et chaussures. Ah ben d'accord, ok. Et bien-être. Voilà. Bon, ben, comme je dis toujours, prends-le. Ouais. ton papa, il me dit, bon, il y a beaucoup d'amour, et il me dit... J'espère que tu as de l'amour pour moi, parce que c'est important. Oui. C'est important malgré tous les travers que j'ai pu avoir. Il fumait beaucoup aussi, ton papa. Oui. Parce que je voyais, il me dit, c'était une autre époque, on pouvait fumer dans les casinos. C'est vrai. Il buvait aussi son petit whisky ou quelque chose comme ça. Il me dit, alors il m'a tout montré ça, mais il me dit, il ne faut pas me voir comme ça, parce que c'est, au fond, ce n'est pas ça que j'étais en vrai. C'est marrant, il me dit, j'étais un gros nounours. Mais, et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Il me transmet beaucoup d'amour. Ce monsieur, il avait un frère? Oui. Alors ça, il aimait faire les jeux de mots, ce... Oui. Oui, parce qu'il me dit, j'entends la musique, frère Jacques, frère Jacques. Voilà. Il est désincarné aussi, voilà. Alors, ces deux entités, mais ces deux énergies sont... ensemble. Mmh. Il me dit aussi que ses deux frères étaient peut-être brouillés ou des choses comme ça, mais qu'ils se sont un peu rabibochés de l'autre côté parce qu'ils n'ont pas le choix et que les énergies, là-haut, il y a quelque chose de qui régit tout et que c'est obligé, comme ça, de se rabibocher, de s'adoucir. C'est pas moi qui ronfle. J'aimerais bien qu'il me donne... En fait, si je peux me permettre, ils étaient cinq, il y a un frère qui est décédé, il y en a un autre qui fait des calembours toutes les cinq minutes, mais qui est bien vivant, et un autre avec qui il s'était embrouillé, et avec qui, juste avant de partir, ça s'est arrangé, on va dire. D'accord. Bon. Comme ils étaient cinq garçons. Non, c'est vraiment, j'ai deux énergies, et la deuxième énergie, donc frère Jacques, le frère de Jacques, celui avec qui s'est embrouillé, il est désincarné? Non, lui non. D'accord. Mais par contre, c'est celui qui est décédé. Ils étaient très proches, mais ils s'étaient perdus de vue. Bon, il y avait quelque chose avec, je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi il dit, on s'est rabiboché, il faut qu'on s'adoucit. Je pense que ton papa, en plus d'avoir du casino, c'était quelqu'un qui était explosif. Ah oui. Voilà, c'est ça. Et... Il s'est adouci. Il s'est adouci. Tout ce que je t'ai dit, c'est ce qu'il me dit. Je me suis adouci. On est obligé de faire ça. Je me suis rabiboché avec mon frère. C'est comme ça qu'il me le donne. Il y aurait pu avoir des secrets de famille ou des choses comme ça, un petit peu mélangés dans tout ça. C'est possible. Ouais. C'est dans ce chose-là. Peut-être que le frère que tu penses
qui est parti, il devait y avoir des brouilles ou des choses comme ça. Oui. Moi, il me le donne vraiment comme ça, donc il a besoin de le donner aujourd'hui, donc prends-le vraiment, parce que c'est important pour lui. J'avais le mois de juillet aussi. Est-ce que juillet, ça peut... Juillet, c'était le mariage avec ma mère. D'accord. Il y avait eu des disputes à ce mariage ? C'est possible. Ouais, parce qu'il me dit, c'est un scandale, comme ça il me dit. Oui. C'est un scandale. Qui c'est qui n'était pas d'accord pour ce mariage ? Les parents, non ? Mes grands-parents étaient séparés, donc c'était très compliqué. Il y en avait un devant et un derrière. Enfin, ouais, c'est ça. Il me dit, c'était du scandale, mais on y est arrivé. Mm. Il me dit, n'oublie pas de dire à ma fille que je l'aime, parce que c'est important. Il me dit, ah, c'est drôle, tu sens des fois son parfum ? Oui. Ben, parce que c'est comme ça son signe. Et il me le dit. Il me dit, ça sera mes signes. Le parfum et les oiseaux, c'est marrant. Bon, les oiseaux peut-être moins, mais le parfum, c'est important. La libellule. J'ai l'oiseau. Il me l'a donné comme ça. Oh. La libellule, c'est peut-être, c'est peut-être quelqu'un d'autre. J'ai plus une dame avec la libellule, c'est fou. Hein. Bon, je te le donne. Oh. T'as pas des oiseaux qui tapent à la porte ? Je suis un peu têtu. Hein. Si, j'ai des signes avec des oiseaux. Mais... oui, c'est ton papa. Mais je pensais que c'était ma grand-mère. Et ben non. La grand-mère, c'est peut-être la libellule et le papa, c'est l'oiseau. Jean-Michel, à peu près, c'est pas moi. Okay. Alors, il me montre. Alors. C'est marrant que j'ai ça. Il aurait pu construire des routes, ton papa, ou des chemins, ou des choses comme ça. Parce qu'il me montre qu'il travaille en extérieur. Je ne sais pas pourquoi je reçois ça, en fait. Comme quelqu'un qui faisait des routes de goudron, de choses comme ça. Non, pas du tout. D'accord. C'est pas son métier du tout. D'accord. Il avait une maison à lui, j'essaye de... Il a eu, mais après, il l'a vendue parce qu'ils sont séparés avec mes parents. D'accord. Alors, je ne comprends pas pourquoi il me montre ces personnes travaillant, construisant les routes. Est-ce que ça peut parler dans la famille ou quelque chose comme ça ? Là, maintenant, tout de suite, ça ne parle pas. Alors, ça, je te le donne, parce qu'en plus, je le reçois très avec vigueur et force, oui. En fait. Donc, je peux... Non, non. Je t'ai marqué route, tu comprendras. Okay. Hein, ça viendra. Et au même moment, il y a eu une moto passée. Donc c'est pour ça que voilà, il y a tout qui s'est emboîté. J'ai beaucoup d'amour pour toi. Il me répète. Il me dit, il me remercie. Il te remercie d'avoir pris le message. Il te dit qu'il t'aime et il peut partir serein parce que même s'il savait que tu avais pardonné. Tu l'as verbalisé aujourd'hui. Mmh. C'est aussi la première fois qu'il passe dans un décodeur, ce monsieur ? Non, mais en fait, j'attendais qu'il me transmette son message d'amour parce que j'ai attendu qu'il me le dise avant de partir. Et il l'a jamais dit. Il n'a pas pu le verbaliser. Eh bien, c'était important. C'était... Voilà. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup plus de « je t'aime » de choses comme ça que des signes de reconnaissance. Tu en as eu quelques-uns, mais... Pour ton papa, le « je t'aime » était plus important que les signes de reconnaissance pour le jeune homme qui... Voilà. Comme je dis tout à l'heure, chaque défunt est différent et chaque défunt a une empreinte digitale céleste qui est propre à lui. Je pense que c'est tout parce que j'ai plus rien. Il s'en va serein. Il s'en va... Il s'en va en paix, il me dit vraiment qu'il est en paix, qu'il est réparé. Oui, c'est génial. Voilà. Vraiment. Merci beaucoup. Merci à lui de nous avoir... Merci beaucoup. Merci à lui. Allez, on va continuer. Oui. J'avais aussi c'est drôle parce que j'avais un gris du Gabon qui était venu me voir. Est-ce que quelqu'un aurait pu avoir un gris ? Alors, je pense qu'il va y avoir beaucoup de mains levées. Mais est-ce que quelqu'un aurait pu avoir un gris du Gabon ? C'est un perroquet. Ah, j'en ai... Ok, alors attendez, on va affiner. J'ai vous, madame, c'est ça ? Et vous ?
Celui de votre papa, il ne vous appartenait pas, hein? Pas personnellement, mais... D'accord, je vous garde sur le coude, on ne sait jamais. Et pour vous, madame, c'est... Moi, il ne m'appartenait pas non plus, mais je m'en suis occupée pendant 9 ans parce que je m'occupais de sa maîtresse qui était handicapée. Ah. Ah. Alors, je vais juste avec les prénoms. Comment s'appelait ce perroquet? Coco. Hey. Je m'appelle bien Aaron. Et pour vous? Pareil, bon. Non, mais vous m'aidez pas. Hein. Vous vous en occupez? Ah, oui. Non, c'est vraiment un gris du Gabon. Un gris du Gabon. Pardon, excusez-moi. Il n'y avait que le hara, il n'y avait pas un autre gris du Gabon avec... D'accord. Il y avait un autre oiseau avec ce perroquet. Et vous? Un autre oiseau? Une oie? Ah ben oui. Alors c'est la dame. Voilà. Il m'a montré qu'il y avait un autre oiseau avec... Elle est désincarnée aussi, cette... Oui. Alors, vous venez à une conférence et on va vous apprendre que votre guide animal, c'est un perroquet et une oie. Mais prenez-le parce que j'ai beaucoup de remerciements par rapport au gris du Gabon. Et je voulais en être sûr parce que j'avais ce « merci de t'être occupé de moi » et « merci d'avoir adouci un peu ma peine par rapport à cette tierce personne que... » Cette personne est désincarnée aussi. D'accord. Alors, comment s'appelait cette personne ? Geneviève. Geneviève. J'avais le prénom aussi de Patricia qui venait. Est-ce que ça peut parler ? Bon, alors, ça c'est... C'est noté, c'est un nom en plus que Geneviève m'a donné avant son prénom. Elle était polyhandicapée, c'est ça, cette dame? D'accord. J'ai beaucoup d'amour. Elle me dit... ok. C'est votre métier, c'est ça? C'est votre métier. Elle me dit... Elle vous remercie, en fait, de vous occuper de toutes ces personnes. Elle me dit... ok, j'ai le mois d'avril qui vient. Oui, c'est vous? D'accord. Parfait. Elle vous remercie et vous embrasse. Embrasse la personne qui est née au mois d'avril, donc c'est vous. Elle me dit, merci pour tout ce que tu fais pour les personnes comme nous. J'ai repris du courage, j'ai repris de la force. Je peux me lever, t'applaudir, parce que je t'aime, parce que tu as été une amie, une confidente et une copine. Elle me dit, je sais, je parle vite, mais je rattrape le temps perdu, elle me dit. Elle me dit, elle me montre une lettre, je ne sais pas, vous ouvriez le courrier devant elle, ou quelque chose comme ça. Ça, elle le percevait, et c'était des bons moments pour elle. C'est marrant parce que j'ai aussi ce point d'interrogation qui vient avec elle, qui se dessine, je ne sais pas pourquoi. C'est le symbole du point d'interrogation. Alors, je ne sais pas pourquoi elle me montre ça. Comme si elle était... bon, après, elle était... elle était handicapée, mais je ne sais pas. Il y a ce chose de point d'interrogation. Ça viendra. C'est pas bien grave. Je ne sais pas pourquoi elle me montre... Vous n'aviez pas une lettre avec un gros point d'interrogation dessus? Ou un papier avec... Bon, vous chercherez. Peu importe. Elle me le donne. Ah, c'est marrant. Elle me montre le sucre en morceaux. Cette jeune fille. Je ne sais pas. C'est drôle. Vous connaissiez sa famille, peut-être? D'accord. Parce que vous avez eu le jour où elle s'est désincarnée, ça a été dit par téléphone ou quelque chose comme ça? D'accord, ok. Alors, je ne sais pas pourquoi elle me montre ce côté téléphone, comme si
Il y avait une grande nouvelle avec le téléphone, où le téléphone c'était important. Est-ce que vous pouvez m'éclairer ? C'est moi qui annonce la nouvelle. Voilà, et c'est l'inverse. Bon, mon décodeur, je rame un petit peu là. Ça grésille un petit peu. J'ai de la friture sur la ligne. J'ai de la friture sous la ligne. Parce qu'elle me dit que c'était important. Et quand elle me le montre, elle me le montre bienveillant, comme si avec un soulagement. Et merci que ça soit vous d'avoir annoncé ça, parce que je pense que vous avez pris la forme et vous avez pris. Ok. Vous avez eu un beau cadeau aussi, peut-être, après. Ils ne vous ont pas donné un présent ou un cadeau ou quelque chose comme ça ? Oui. Oui, un souvenir de cette dame. Gardez-le, parce que c'est son objet clé. Quand vous avez envie de vous connecter à cette dame, vous touchez cet objet et c'est plein d'amour que vous ressentez. Elle me dit je m'occupe de Coco, je m'occupe de Loi, même si Loi m'attendait, elle me dit, parce que Loi, ça devait être plus vieux. J'ai recréé une vie de rêve, elle me dit, je peux gambader. Elle me dit, c'est drôle parce que elle devait avoir. Il y a une fille de la famille avec qui elle ne s'entendait pas, où elle faisait comprendre que c'était pas bien. Parce qu'elle me montre, je ne sais pas, soit une fille ou une sœur ou, qu'elle n'aimait pas. Et peut-être qu'elle ne pouvait pas le verbaliser. Et là, elle me dit, il y a une sœur ou une cousine que je n'aimais pas. Voilà, je vous le donne. Ah, c'est bon. J'ai le mois d'octobre aussi qui vient. C'est tout ce que je vais avoir, parce que elle me donne pas plus, elle me donne pas plus, et c'est tout. Yes. Merci à elle d'être venue. Allez, allez, on va continuer. J'ai un monsieur qui était chauffeur-livreur et qui aurait pu se désincarner par un accident ou son. Oui. La trentaine maximum, 30, pardon, 25, je prends. Ça parle à personne d'autre. Non. Je fais passer quelqu'un d'autre après. Alors allez-y, ceux qui veulent partir, allez-y. Voilà. Allez, c'est bon, on y va. Eh bien, j'en ferai passer un deuxième après. Voilà, tant pis pour ceux qui sont partis. Et paf. Ah, êtes-vous susceptible ? Non. Bon, allez, on va voir. Comment s'appelait ce jeune homme ? Noël. C'est votre fils ? Mon frère. Votre frère, oui. D'accord. Mon fils. D'accord. Ok, bon. Alors, Noël, qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit... il vous remercie parce que... pareil, c'est peut-être pas la personne que vous, pour qui vous êtes venu aujourd'hui. Si. Un petit peu ? D'accord, ok. Bon, eh ben, tant mieux. Mais c'est comme s'il y avait quelqu'un d'autre aussi qui aurait aimé parler... Et ce quelqu'un d'autre, il me dit, c'est pas pour aujourd'hui. C'est dans ce sens-là aussi qu'il veut vous le dire. Il te remercie parce qu'il me fait comprendre que il a vraiment découvert un autre... allez, doucement. Il me dit, tu sais comment j'étais curieux et comment j'aime la découverte. Et il me dit, de l'autre côté...
j'étais ravie parce que je découvre plein de choses. Et c'est important pour moi de tester, c'est marrant parce qu'il me dit tester les choses. Et là, j'ai testé l'au-delà et il me dit, c'est pas si mal. Il me dit qu'il vous aime. Il me dit, j'ai beaucoup de, je sais pas, j'ai la lettre J qui vient, juin ou janvier. Alors, faudra regarder parce que. Juin, peut-être l'anniversaire de notre maman. D'accord, bon, c'est parfait. Il l'embrasse. Alors, si votre maman est désincarnée, il n'est pas sur le même plan parce qu'il me dit j'embrasse cette personne qui est née en juin. Il faudra regarder pour janvier, je ne sais pas, peut-être. Janvier, ma fille. Ben voilà, fille. D'accord, parfait, ça me va tout à fait. J'ai beaucoup d'amour et parce qu'il me dit je suis partie trop vite, mais c'est comme ça. C'était un accident de travail, c'est ça? Ouais. Il me l'a montré. Il me dit ça fait un moment que je voulais passer. Pour la petite anecdote, ce monsieur devait être toujours en avance dans son travail. Il devait aimer, alors, je ne dis pas qu'il aimait son travail, mais il était toujours en avance doucement. En son travail. Il avait du mal à parler des fois, à faire le... Non, pas spécialement. Pas spécialement. Je sais pas, il me met dans une émotion de... Je sais pas, de bafouiller un petit peu, comme s'il était ému de vous parler. Et c'est pour ça que je vous pose la question, mais en plus, son énergie, c'est pas ce qu'il l'identifie, en fait. Parce que ça devait être quelqu'un de plein de vie, peut-être un peu vigoureux, un peu. Il devait aimer la vie, il devait aimer peut-être les boîtes de nuit, parce que les choses comme ça. Et il me dit, et là, c'est comme si c'était un bébé qui parle à sa maman, comme si vous lui faisiez les gros yeux ou les choses comme ça. C'est possible. J'ai élevé avec les enfants. D'accord. Ok. Il me dit. Donc tout ça pour en revenir à ce monsieur, ce chauffeur-livreur, en fait, il est venu il y a quelques mois de ça, je ne sais pas pourquoi, dans une de mes conférences, et je ne l'ai pas passé, et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas annoncé. J'ai les écrits chez moi. C'était aujourd'hui, et pas autrement. C'est marrant parce que j'entends ce mot, pas de panique, je ne sais pas pourquoi. J'ai aussi... C'est marrant, là je sens qu'il va m'avoir, mais c'est pas grave. Allez. Il aimait cuisiner, parce qu'il me montre en train de faire des gâteaux, un rouleau à... Votre maman, elle faisait ça? Maman, oui. Bon, elle faisait pas trop des gâteaux, mais elle cuisinait. J'ai le rouleau à pâtisserie. Non, c'est pas... Je sais pas, ils sont en train de me faire un petit... Pas trop de pâtisserie, mais que ce soit son papa ou notre maman, elle aime bien cuisiner. Il y a qui des... Alors, soit le papa, soit votre maman, qui a un rouleau à pâtisserie et qui l'utilisait? Ah oui, je sais pourquoi. Merci. Je sais. Allez, on y c'est va. C'est l'anecdote. Alors en fait, le papa de Noël, qui n'est pas mon papa, moi... D'accord. A eu des problèmes cardiaques suite au décès de ma maman. D'accord. Et avec mon petit frère, on avait décidé de lui faire porter des repas. D'accord. Donc, il y a une assistante sociale qui est allée chez lui. Et puis mon petit frère, il est allé parce que moi je ne pouvais pas y aller. Et devant l'assistante sociale, mon bon papa a dit bah, en fait, j'ai besoin de personne, moi je vais cuisiner. Il lui a préparé un petit gâteau qu'il a mis au micro-ondes. Donc l'assistante sociale a dit effectivement, vous avez besoin de personne. D'accord. Vous avez vu comme ça, il n'a jamais eu ses repas à domicile. D'accord, ok. Ok, bon, ben, je... Il nous a dit, et Noël m'a dit, le père, il nous a bien vu. D'accord. Ouais. Et le rouleau à pâtisserie, je ne sais pas, il avait dû... Par rapport au gâteau, oui. D'accord, ok, bon, ben, il avait dû simuler tout ça. Ouais. Et c'était un événement important pour lui qu'il fallait que je vous donne. Oui. Donc c'était qui, ce... C'était le papa de mon petit frère. Le papa de votre petit frère, qui est désincarné aussi. Qui est désincarné. Bon, alors, les deux sont ensemble, par contre, ça, j'en suis sûr. Et je pense qu'il s'amuse bien de moi de l'autre côté. Parce qu'ils me font partir un peu...
Un peu dans tous les sens. Bon, je vais me recentrer. Ils sont attachants quand même. Le frère est attachant. Moi, j'ai d'abord le frère. Alors, le frère, il me dit... c'était un beau garçon, ce jeune homme, parce qu'il se montre à son avantage. Vous avez une photo de lui torse nu ou quelque chose comme ça ? Torse nu, non. Bon, eh bien, il faudrait chercher parce qu'il aimait bien... Il avait pris la muscu ou quelque chose comme ça. Non. Je ne sais pas pourquoi, il avait le culte de son corps. Comme s'il fallait qu'il soit beau. Oui, il était beau. Voilà. Ouais. Il faudra que vous cherchiez parce qu'il m'envoie... Vous n'avez pas de photo de plage ou de choses comme ça ? Quand il était petit. Ouais. Mais... Ouais, mais prenez une photo comme ça où il est enfant, enfant torse nu, ouais, en maillot de bain, parce que c'est les photos où il se sent bien, où il est bien, en fait. Il me fait comprendre. D'ailleurs, le maillot, il est rouge, non ? Je crois. Oui. C'est, voilà. Parce que comme ça, il me dit, voilà, comme ça, j'ai cadré la chose, je t'embête un peu, mais je cadre la chose aussi, il me dit. Ok. Là aussi, il va m'avoir. c'est pas grave. Il avait une copine, ce jeune homme. Il était marié. Il était marié. Il y a quelque chose de particulier avec la copine. Parce qu'il me dit, embrasse la copine, mais... Mais vous en dites trop, hein. Voilà. C'est pas grave. Mais y a, alors, je vais vous le donner tel que je l'ai reçu. Il pardonne tout ça parce qu'il me dit maintenant, je m'en balèque. Juste une question, ils allaient divorcer ? Je pense pas, mais. Oui. Pour la petite histoire, 4 mois après le décès de mon frère, elle était enceinte de notre enfant. Eh bien, ils allaient divorcer. Tant mieux. Voilà. 6 mois de mariage. Il est drôle parce qu'il me dit c'est trop. c'était quelqu'un qui était rigolo. Oui. Bon, il avait de l'humour même sur lui-même. Oh oui, beaucoup. D'accord. Et sur sa compagne aussi. Disons qu'elle portait pas trop. Rigolote. Oui. Mais sûrement. Hein. Parce, bon, vous avez dû avoir des je suis désolé. Hein. Vous avez dû avoir des conversations avec ce jeune homme oui, par rapport à sa compagne. Oui, mais sans plus. Bon. C'est plus les enfants qui m'ont mis, je pense. Bon, alors je sais pas parce que il me fait comprendre. Il me dit, elle est. Elle est, en fait, de l'autre côté, c'est moi le plus con dans l'histoire. Parce que moi, je transmets et lui, il me dit de donner les choses. Il me dit, elle loupait tout, même dans le lit, elle n'était pas bonne, il me dit. je suis désolé. Hein. On est d'accord, c'est une anecdote qui vous a donné. Ok. Oui, ben. C'est drôle parce qu'il me dit ton frère, en fait, c'était quelqu'un qui était ordinaire. Il se trouvait beau, mais c'était quelqu'un d'ordinaire. Et puis, il me dit aujourd'hui, je suis un peu moins ordinaire parce que je suis presque le dernier. Et aujourd'hui, on garde le meilleur pour la fin. C'est moi le meilleur, il me dit aujourd'hui. Il me dit. Tu sais que je t'aime et que je t'aime profondément. Tu sais que je suis ton guide. Demande-moi, parce que je suis là avec toi. Je suis là partout. Je suis là... C'est drôle parce que il me montre ce côté floral. Alors, peut-être que je me répète, mais c'est pas grave. On t'a offert des fleurs. Il y a des fleurs qui sont... Il y a... D'accord, ok. Je ne sais pas, il y a ce côté fleur. Tu dois lui offrir des fleurs ou pas prochainement ? Non, non, non. Oui. Oui, bon. Eh bien, il sera là. et laissez, en fait, pour choisir ces fleurs, laissez votre imaginaire choisir. Mais il me fait comprendre que ce n'est pas l'imaginaire, que c'est un peu de lui dans votre décision. Il me dit...
Il me dit... Alors, il me parle du zoo, je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose de particulier avec le zoo. Quand il était petit, oui, on l'emmenait. Oui, mais c'est important. C'est important, c'est des bons moments qu'il me donne par rapport à vous. Oh, c'est drôle. Il écoute. Vous vous moquez pas, hein? Oh, bah. Il écoutait Lara Fabian. Je ne sais pas du tout, par contre. Parce que j'avais cette chanteuse qui. Qui, c'est possible. Qui venait, c'est bizarre. Faudra essayer de vous renseigner ça, parce que j'ai cette chanteuse qui vient. C'est bizarre pourquoi j'ai cette chanteuse. Bon, je le note. Lara Fabian. J'arrive pas à décrypter ce qu'il m'envoie. Je sais pas si il y a un événement important qui arrive par rapport à vous, un anniversaire ou quelque chose comme ça, ou si je le décrypte mal en fait. Est-ce que Noël, c'est un rapport avec Noël? Oui. Il y a quelque chose comme ça, il faut se rappeler de lui à cette époque, il me dit. Et je ne sais pas si c'est... Je vais vous le dire honnêtement, je ne sais pas si c'est mon mental ou si... Là, sur ce coup-là, si c'est mon mental ou si c'est parce qu'il s'appelle Noël. D'accord. Que ça vient. Oui. À ce moment-là, pensez à lui. D'accord. Pensez à lui. Et je ne sais pas si c'est mon mental ou si c'est... Il a un petit neveu qui est né le même jour que lui. Ah, alors ça, je... D'accord, ok. Bon, alors ça, je ne pouvais pas le savoir, donc c'est important. Ben, ça me va, c'est parfait. Et ben, comme je dis toujours, laissez-lui une chaise vide et il sera le plus heureux. D'accord ? Allez, c'est parfait. Je regarde si j'ai autre chose, mais je pense que j'ai terminé. Non, c'est tout. Merci à toi. Merci Noël. Ouais, ben merci Noël.